Bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être venu. Bonjour mes fans, bonjour tout le monde. Mon direct d'aujourd'hui, c'est vraiment triste parce que c'est une journée triste pour tout Ivoirien, pour tout être humain, son prochain. Voilà. Pour tout être humain qui aime son prochain, c'est difficile pour tout le monde. Que tu sois la mère, la tante, la famille de Daïchi, de Didier Arafat, tout le monde est triste parce que c'est un être humain qui est décédé. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Daïchi, je ne vais pas parler de Didier, de Ouange Didier, l'artiste, parce que je ne le connais pas assez. Je ne l'ai pas fréquenté aussi véritablement comme il se doit. Mais je retiens une chose, seule chose. Excusez-moi. Vraiment, c'est un peu difficile, mais je retiens une seule chose. Quand tu respectes Didier, Didier te respecte. Pour le peu de temps que je l'ai connu, quand tu le respectes, il te respecte. Voilà. Quand tu le respectes, il te respecte. Moi, il me respectait parce que je le respectais. Quand je le voyais, bonjour mon fils, comment tu vas? Bonjour la vieille, ça va? C'est tout. Quand je peux lui demander quelque chose, je le lui demande poliment, il me répond poliment. Parce que je voulais faire un projet professionnel avec lui, un film sur sa vie. Ça m'en met au courant. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de Tina Glamour, la maman d'Arafat. Je sais combien de fois la Chine adore Arafat. Je sais combien de fois nous tous nous aimons Arafat. Mais l'amour d'une mère, l'amour d'une mère, on ne joue pas avec. Choses que nous voyons sur Internet, il y a des choses que nous lisons sur des gens. Il y a des vidéos que nous voyons sur des gens. Mais la vie sur les réseaux sociaux est différente du quotidien de tout un chacun. Le rêve, le mensonge, nos attitudes que nous avons sur Internet, ce n'est pas ce que nous avons au quotidien. Ce n'est pas ce que nous avons au quotidien. Si tu es une mère, tu es un papa, prie Dieu d'avoir des enfants. Prie Dieu pour avoir des enfants qui vont te faciliter la tâche. Ce n'est pas facile d'être la mère d'une légende. Nous tous, nous avons connu Arafat ici. Ce n'est pas facile d'être la mère d'une légende. D'abord, Tina Glamour a été exposée très tôt à la chanson. Elle a son caractère, elle est ce qu'elle est. Je ne suis rien pour la juger. Mais avec du recul, avec le temps, je me rends compte que ce n'est pas facile d'être une maman d'une personne publique ou même d'une personne exposée. Surtout quand toi-même tu es exposé. Quand toi-même tu es artiste, il y a ta vie à gérer. Et quand ton enfant est star, comme Arafat l'était et comme il l'est toujours, parce que dans sa mort, mais il est plus célèbre. Aujourd'hui, tu regardes sur Internet, tout le monde, il est l'ange du ciel. On partage toutes ses photos. Imaginez si à son temps, où il avait besoin de nous pour ses spectacles. Façon, on est dégoûté aujourd'hui à payer les t-shirts. Façon, on est dégoûté aujourd'hui à partager sa photo. Imaginez un peu si on partageait sa photo de son spectacle comme ça. Il allait faire le plein. Au moment où il avait besoin de nous, si on disait on l'aimait, on l'adorait, je vous jure, il serait là. Si telle est la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide tout. Telle est la volonté de Dieu. Mais chacun, à un moment donné, il a peut-être qu'il traversait une situation difficile. Moi, je n'en sais rien. Mais il était devenu un peu difficile. Au lieu de l'aider en ce moment-là, je partais, je suivais toujours. Il n'y a pas de direct d'Arafat que je ne regardais pas. Mais les commentaires, s'il a 1000 commentaires,
Au moins, c'est cinq commentaires qui disent bonne chose. Tout le reste, c'est pour l'insulter. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes en train de répéter la même erreur qu'on a fait à Arafat et à sa maman Tina Glamour. Nous sommes en train de répéter la même erreur qu'on a faite à Tina Glamour. Là. La même erreur qu'on a fait avec Arafat. Là. On est en train de commettre la même erreur avec Tina. Qu'elle est. Mais elle aime ses enfants. Vous savez, moi, du genre, depuis que je me suis allé dans la vie des gens, je n'ai jamais pris sujet de quelqu'un pour en parler ici. Quand on est ici, c'est pour parler du film, mais pour parler des histoires, mais je suis quelqu'un de tout. Qu'on est en train de commettre une grave erreur. Et quand le pire va arriver, on sera là en train de dire, et si on savait, Quand tu es accablé de partout, quand tu es insulté de partout, quand tu sens que tu n'as plus de soutien, tu es fort comment? Tu perds des âmes, tu te perds à un moment donné. Mais si tu es la plus têtue, la plus forte au monde, quand tu es accablé de partout, quand tout le monde te déteste, quand tout le monde t'insulte pour un oui, pour un non, quand tu as un manque d'amour dans ta vie, comment tu tombes? Faisons très attention pour ne pas commettre la même erreur avec Tina Glamour. Je ne la défends pas. Elle a son caractère. Elle est ce qu'elle est. Mais Tina aime ses enfants. De quoi je parle? Tina, moi je l'ai connue à la télévision comme une grande dame, comme tout le monde, une chanteuse, avec ses frères et puis à ses manières d'être. Et puis à un moment, je ne la voyais plus, je n'entendais plus parler d'elle. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma série Les Lames de l'amour. Je dis, ah tiens, Tina Glamour, son histoire m'intéresse. Les gens racontent qu'elle aime les jeunes gars, elle aime sortir les jeunes gars. Moi, je veux écrire une histoire dans les lames de l'amour où une femme a une relation avec un jeune moins âgé qu'elle et puis on va voir qu'est-ce que les gens en pensent. Et c'est comme ça que j'ai cherché le numéro de Tina. Les gens, quand j'ai dit nom de Tina, ont dit « Waouh, Tina Glamour !» Mais toi, tu n'as pas peur dans ta vie. Mais si tu Tina, mais Tina, Tina. Mais je n'ai pas écouté les ondits. J'ai dit, moi-même, je ferai ma propre expérience. Je vais aller vers Tina. C'est comme ça, j'ai eu son numéro, je l'ai appelé. Ah, ma grande, comment tu vas? Je me suis pris. J'ai pris rendez-vous, je me suis rendu chez elle avec mon époux. Mais je me suis retrouvé face à une femme forte, mais qui était affligée. Qui était affligée par les jugements, qui était affligée par l'abandon, elle était affligée parce qu'elle se sentait seule. Nous avons eu à causer. On s'est dit beaucoup de choses. Ça, c'est pas ce que je vais dire. Mais je comprends. Tina souffrait au plus profond de son âme. Parce que les gens ont réussi à la diviser avec son fils. Tout ce que Tina voulait, c'était d'être auprès d'Arafat. Quand tu parlais d'Arafat, son visage changeait. Tina, c'est son fils. Tina aime ses enfants. Ça me fait mal, c'est la vie d'une grande dame. Je ne peux pas venir m'exprimer. J'ai envie de vous dire certaines choses, mais je dois avoir des limites. J'ai vu Tina fléchir genoux, pleurer pour l'amour de son enfant. Tellement elle voulait être auprès de son fils. Vous savez, elle a son caractère. Souvent quand elle boit, elle dit des choses. Mais les gens qui sont autour, qui la filment là, à quoi ils pensent qu'ils sont en train de filmer Tina? Elle est en train de maudire son fils, mais elle est en train d'insulter son fils. Ceux qui la filment là, à quoi ils pensent en la filmant? C'est des actes souvent elle pose après, elle regrette.
Mais au fond de son âme, elle aimait son fils. Elle aime son fils. La nuit, 2h, 3h du matin, Tina m'appelle. Hey, Bibi, est-ce que tu as pu parler à ton fils Arafat? Est-ce que tu as pu le rencontrer pour lui dire ce que je t'ai dit là? Je veux mon fils. Je me sens seule. À un moment donné, tout le monde l'a abandonné. Tu sais, à cause de son caractère, tellement elle est forte de caractère, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Donc personne ne l'appelait pour un spectacle. Elle n'a pas de spectacle. Elle n'a pas de revenus. Et une maman. Tu n'as que vous voyez là, ce n'est pas une femme aux mœurs légères. Je vous donne un. On parlait à un gars qui m'aide, un monsieur bien gentil qui m'aide, qui a décidé de m'aider pour ma production. Elle dit, ah Brigitte, oh, Tina est dans ton film. J'ai dit, oui, voilà, Tina va jouer à moi. Il dit, mais je suis fan d'elle, c'est une femme qui m'intéresse beaucoup. J'ai dit, ah d'accord. J'ai appelé Tina. J'ai dit, ma grande soeur, comme c'est chaud sur toi là, je vais te présenter un monsieur là, vraiment, un ami là. Il est trop fan de toi, il veut que tu sois sa copine. Elle dit, ah, elle m'appelle Bibi. Il a quel âge? C'est un vieux. J'ai dit, bon, c'est un monsieur. J'ai présenté le monsieur. Malgré que le monsieur pouvait changer sa situation, quand il a vu le monsieur, il dit, ah, il est trop âgé, et puis c'est pas mon genre d'homme. Je ne l'aime pas. J'ai dit, ah, ma grande soeur, situation, tu es. T'aider que toi tu ne l'aimes pas. Elle dit non, ma Bibi, moi là je suis un garçon, quand je suis fan de garçon, c'est vrai que je traverse un moment difficile, hein, mais moi je ne vais pas sortir un garçon que je ne l'aime pas. J'ai été touché. Je dis voilà une femme. Voilà une femme. Voilà une femme. Même dans la misère, même dans la galère, elle est restée constante. Elle n'a pas trahi son choix. Elle dit, moi, je couche avec un garçon que je suis fan de lui. Moi, Bibi, j'aime les jeunes. Moi, je n'aime pas les vieux. Je ne peux pas sortir à quelqu'un à cause de l'âge. Si la personne là, en tout cas, il ne m'intéresse pas là, je ne vais pas. En ce temps où je vous parle là, elle n'avait même pas de transport pour rentrer chez elle. Mais elle avait foi en Dieu. Elle dit, Bibi, ça va aller, Dieu va faire. Les choses vont s'arranger entre moi et mon fils. Mon fils là, il est un garçon bon. Arafat même, mon fils m'adore. C'est parce que les gens sont en train de nous séparer. Les gens sont en train de faire ça. J'ai dit, ma grande soeur, faut te calmer aussi. Le problème, c'est que tu te calmes pas. Quand il y a des problèmes, les gens abusent. J'ai vu Tina pleurer. J'ai vu Tina trembler pour son fils. Et je vous donne deuxième exemple. Tina jouait dans mon film, on était à Yopougon. Pour protéger sa fille Carla, que les gens l'insultent aujourd'hui pour ça là. Elle m'a abandonné sur le lieu du tournage. On a passé toute la journée. Mais Tina a préféré garder le secret. Elle m'a dit, Brigitte, il ne faut pas dire. Et puis on est resté dedans. Mais comme les gens trouvent qu'elle n'aime pas ses enfants, Carla, elle a laissé Carla à la maison. Carla a fui de la maison pour se retrouver dans un endroit pas catholique. Elle s'est fait blesser là-bas. Ils ont appelé Tina. Toute la journée, on est resté sur le lieu du tournage en train d'attendre Tina. Tina a fait tout le tour d'Abidjan en train de chercher Carla en pleurs. Elle est revenue le lendemain au tournage. Elle m'a appelé. Tu ne pouvais même pas regarder son visage. Demain, elle cherchait sa fille. Elle n'avait même plus de transport. Elle a fait tous les endroits pour chercher. Bébé Carla, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma fille. Eh Dieu, eh Bibi, je ne sais pas, mes enfants, oh, eh Dieu. Mais à un moment donné, une maman épuisée, une maman qui n'a pas de revenus, une maman qui n'a pas de soutien, une maman que tout le monde fuit, elle va faire comment? Comment elle va faire pour payer son loyer? C'est une artiste. Mais les gens disent qu'elle n'est pas bien. Les gens disent qu'elle n'a pas bon comportement.
Vraiment. Des gens disent, elle n'a pas bien, elle n'a pas bon comportement. Ça. Donc les gens ne l'invitent pas pour des spectacles. Les gens ont peur de son scandale. Tina, qu'elle est là, quand tu ne la provoques pas, Tina ne réagit pas. Tina, c'est Tina Glamour. C'est pour ça qu'il y a le feu entre les deux. Tina, Tina n'a pas affaire à toi. Mais c'est une femme pour elle, elle ne reste pas à l'étranger. Tina a cherché bébé Kala toute la journée. Elle faisait pitié comme ça. Elle criait, l'Éternel Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment je vais faire? Mais Tina prend Kala, elle amène Kala, Kala retourne. Mais elle n'a qu'à enfermer Kala dans la maison, à double tour, ou bien je ne sais pas. Elle n'a qu'à créer prison chez elle pour mettre Kala dedans. Il faut bien aussi, elle ne peut pas laisser matin jusqu'au soir enfermée avec Kala. Il faut bien qu'elle sorte pour qu'elle gagne quelque chose à manger, pour qu'il puisse manger à la maison. Il faut qu'elle trouve quelque chose pour manger à la maison. Elle n'a personne pour l'aider. Son fils est fâché. Les gens ont monté son fils comme elle. Elle aussi, tellement son cœur est gros aussi, elle a fait vidéo. Tout est mélangé dans sa main. Mais elle doit vivre. Elle doit vivre. Elle sort. La petite casse la porte, elle s'en va. Elle n'a même pas de transport. Elle est obligée d'appeler ses amis. Même elle a honte aussi, là. Pour ne pas qu'on mette dans les journaux, la maman d'Arafat n'a rien à manger. Oh. La maman d'Arafat souffre. Oh. J'ai donné 10 000 francs à la maman d'Arafat aujourd'hui. Oh. Il y a des jours, elle a oublié de fermer sa bouche et puis s'asseoir. Parce qu'elle demande aux gens, si les gens couillent, ils s'en vont dire ça à son fils. Oh, ta maman est en train de traîner ici. Oh, ta maman a faim. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Il faut qu'on arrête cette méchanceté-là. Entre une mère et un fils-là, on ne se met pas au milieu. Mettez des cœurs pour sécuriser le direct, hein, si vous voulez. Sinon, ça va se couper. Les gens ne sont pas gentils. Mettez les cœurs, on va sécuriser le direct et puis je vais continuer à parler. Tina, elle a souffert pour ses enfants. Elle a son caractère. Mais Tina a fait ce qu'elle pouvait. Maman. Je vous donne un exemple. Elle est la maman d'une une femme au caractère un peu difficile. Dont les gens en abusent. Les gens abusent de ça. On la met en palabre, son fils. C'est son fils unique. C'est son seul espoir. Les gens critiquent, là, aiment l'argent. C'est à cause de l'argent. Mais c'est la nuit, vous dormez avec elle. Vous l'avez vu souffrir pour son fils. Moi, je l'ai vu souffrir pour son fils. Nous tous, on a vu qu'elle a fait des vidéos. Mais c'était pour attirer l'attention de son enfant. C'était pour attirer l'attention de son enfant. Qui s'est levé pour faire quelque chose? Nous, on ne pouvait que parler sur Internet, mais qu'elle n'a pas à manger, qu'elle est triste chez elle, quand ça ne va pas. On met les enfants au monde, une vraie maman, on met les enfants au monde pour que quand nos enfants réussissent là, ils nous aident. Arrêtez d'être hypocrite, arrêtez d'être méchant. Vous mettez vos enfants que vous mettez au monde là, c'est pour que quand vos enfants réussissent un jour, ils vous tendent la main. Une mère ne dit jamais, je veux que mon enfant meure. Parce que quand ton enfant meurt, c'est un enfant que tu as mis au monde même qui n'est pas normal. Il meurt là, ça te fait mal. Que chose, comment on appelle? Vous savez, je suis mon fils, votre apoutchou national. Commencé à faire des vidéos sur Internet. Les vidéos ont pris tout de lui. Vous avez appris tout dernièrement quand mon fils a fait une vidéo, je sais pas, une vidéo sur un monsieur Don Giovanni. Et puis monsieur Don Giovanni n'a pas aimé la vidéo. Et puis monsieur Don Giovanni m'insultait comme poisson pourri. Moi j'étais chez moi à la maison. Les gens ont commencé à me balancer la vidéo. Mon fils
fils n'est pas digne de toi. Bleu Brigitte, ton fils veut gâter ta carrière. Bleu Brigitte, ton fils est comme ça. Il faut faire vidéo. Il faut, ton fils veut te tuer. Ton enfant l'avait. Bon, a commencé à m'envoyer un message. Les gens ont commencé à aimer. Les gens ont commencé à me faire des vidéos sur moi. Les gens ont commencé à me prouver que eux, ils m'aiment plus que mon enfant. Ma révolte. Et puis j'ai fait là. C'est de la faute de mon fils. Si mon fils n'était pas levé pour aller insulter M. Don Giovanni là, M. Don Giovanni n'allait pas m'insulter. Donc c'est de sa faute. Qu'est-ce que les mêmes personnes ont fait? Ils ont pris la vidéo, ils ont donné à mon fils. Une fois, tu as vu ta maman en train de t'exposer. Même si tu as fait vidéo, Don Giovanni l'a insulté à cause de toi. Mais une maman digne là, elle n'a pas venu accuser comme ça. Ta maman en train de te livrer aux sorciers. Ta maman n'est pas gentille. Au même moment, ces mêmes personnes viennent chez moi. Ton fils veut détruire ta carrière. Ah, les amis, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts pour diviser. Les fans et les amis, vous êtes trop forts pour détruire. J'ai boudé mon fils pendant une semaine. Lui aussi, il me demande pardon, je n'accepte pas. Lui aussi, s'il est énervé, mon fils boude. Dans quoi les femmes veulent me mettre? Dans quoi mon fils unique? Mon fils, depuis je l'ai mis, on n'a jamais fait une journée sans se parler. Jamais. Même ses copines qu'il a eues, il a dit, hey, si tu veux avoir assez à Stéphane là, il faut t'entendre, hein, sa maman. Il vénère sa maman. Même la femme de mon fils actuel, sa femme aujourd'hui là, elle sait combien de fois mon fils aime sa maman. C'est combien de fois Stéphane aime sa maman. Et toutes elles le disent. Si tu veux avoir affaire à Stéphane, il faut passer par ta maman. Les gens m'envoient photo. Il y a une même qui était capable de me dire, est-ce que tu sais que ton fils est devenu PD en France? Tu sais que ton fils sont avec un ami que je connais très bien. Elle a inventé une histoire à tenir debout. J'ai failli mourir ici. Tout ça là pour me mettre en palabre à mon fils. Tout ça là parce que les familles sont en conflit. Quand les gens sont en conflit, je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez dedans. Mon direct, ça vous arrange. Mettez les cœurs, il ne faut pas que le direct se coupe. Je vous dis ce que je pense aujourd'hui. Quand les gens sont divisés là, ça vous arrange. Mais avec moi, vous ne réussirez pas. Parce que mon enfant là, c'est mon sang. Lui et moi, on vient de lui. Celui qui veut n'a qu'à m'insulter à cause de mon enfant. Celui qui veut n'a qu'à me tuer à cause de mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Tuez-moi à cause de lui. Insultez-moi, faites des vidéos. Premier piège, vous m'avez tendu là. Je ne vais plus jamais tomber dans piège là encore. Si vous voulez là, faites valise. Qu'ils ont essayé à moi, ça n'a pas marché. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pomper mon époux. Tu as vu, ton fils Stéphane va détruire ta carrière. Tu es une personne, tu es une personne distraite. Tu as vu ce que ton fils Stéphane a poutu en train de vous tuer. A poutu, ils ont pompé mon mari. Pour que la tension ait entre mon mari et mes hommes. Mais nous, on est au-dessus de ça. Je me suis assis et dit, chérie, je suis en train de nous tendre un piège. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs d'Arafat. Là. Ce qu'ils ont fait, les deux là n'ont pas pu s'entendre juste quand il a perdu son fils. Là. C'est la même chose qu'il veut faire avec moi. Si Stéphane veut faire ses vidéos, il n'a qu'à faire ses vidéos. Il est un grand garçon. Il va assumer les... Mais je suis sa maman. On n'a qu'à le soutenir. Quand ils ont vu qu'il ne peut plus pomper mon mari, ils sont rentrés dans ma belle famille. Ils ont commencé. Ton fils, Stéphane, est en train de détruire le nom de votre famille. Le nom d'Agbrela. Il est en train de détruire ça. Mais c'est quel enfant ça? Mais c'est un enfant ça. Ils ont révolté mes beaux-parents. J'ai géré. Mon mari a géré comme il pouvait. Ils ont eu honte. C'est la même chose qu'ils ont fait Antina et son fils Arafat. Ils ont réussi parce que Arafat, il est dur de caractère. Sa maman aussi est dure. C'est ce qu'ils ont fait. Les fans et les amis qui sont autour, c'est eux. Ils ont réussi. Parce que les deux n'ont pas pu communiquer, les deux n'ont pas pu se parler à temps. Aujourd'hui, continue de dénigrer. Toi, tu dis tu aimes quelqu'un. Tu aimes, c'est ta star, c'est ton sang. Mais tu n'as pas honte d'insulter sa mère. Vous connaissez le fond de sa relation avec son fils?
Vous savez dans quelles conditions il a mis son fils au monde? Priez Dieu pour que vous ayez des enfants qui ne sont pas durs. Priez Dieu d'avoir des enfants qui vous comprennent. Priez Dieu que Dieu vous donne des enfants là qui ne sont pas peut-être stars. Ce n'est pas facile d'être mère. Hein. Ce n'est pas facile. Une mère inconnue, une maman que son enfant n'est pas célèbre là. Souvent, elle a des difficultés à son enfant. À plus forte raison, une maman qui a un enfant célèbre. Et la mère même est célèbre. Vous pensez que c'est facile de gérer les injures? De supporter vos critiques? Tu te... On t'insulte. Ils ne se sont pas lavés. Ils ne se sont pas brossés. Parce qu'ils ont eu pas 100 francs. Ils vont insulter les gens. Vous insultez, vous poussez les gens au suicide. Après, vous venez vous asseoir. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est même suicide. Là, vous voulez conduire Tina. Elle n'est pas digne. Tina est comme ça. Tina est comme ça. C'est Tina qui a mis ses enfants au monde. Moi, je l'ai vu saigner pour son fils. Au-delà de ce qu'elle est. Bébé Kala, il n'y a même pas une semaine. Moi, j'ai eu Tina au téléphone. Il n'y a même pas une semaine. J'ai eu Tina au téléphone. J'ai dit, ma grande, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. J'ai entendu la voix de choses. Bébé Kala à côté. Il dit, qui parle là-bas? Elle dit, bébé Kala est là. J'ai dit, il faut me passer, bébé Kala. Elle m'a passé. Elle dit, bébé Kala, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Elle dit, ma fille, il faut changer. Elle dit, je suis bien, maman, à la maison. Elle dit, mais tu es bien, maman, à la maison. Là. Faut laisser la maman, va te soigner. Est-ce que ça te fait plaisir qu'on insulte maman? Elle dit, non, tata. J'ai dit, il faut rester à la maison. Reste avec ta maman à la maison. Actuellement, là, c'est difficile. Il y a la femme qui est là. Elle est là. Si tu vas devenir star, elle va s'en sortir. Si tu fais même. Famille, amis, enfants, tout le monde est sur sa tête. Elle se débat seule. Tina se débat seule. Tina se débat seule. Et qu'elle n'a plus de force, tout ce qu'elle peut faire là. C'est de prendre une carapace d'une femme dure pour insulter. Parce qu'elle n'a plus le choix. Elle ne peut que se défendre. Comme elle est obligée d'insulter. Elle est obligée de faire des vidéos. Elle est obligée de montrer. Quand on est sur son dos, elle n'a plus le choix là. Elle sort ses griffes. Mais qui peut supporter? Vous êtes combien à supporter ça? À supporter ce qu'elle supporte là. Vous êtes combien avoir un enfant comme Arafat, où le monde entier connaît. Vous avez combien d'enfants qui sont comme Arafat? Ce n'est pas facile d'être la mère d'une légende. Et elle-même, elle est une personne publique. Elle a sa vie aussi. Elle a droit à une chance, Tina, elle a droit à une chance. Tina a déjà tué qui? Tina a déjà volé qui? Toi, tu as vu Tina, tu lui as dit bonjour. Bonjour Titi, comment tu vas? Et puis elle t'a dit ta mère qu'on... Jamais. Quand tu la vois, elle n'est pas con. Tata, ça c'est son droit. Quand tu la vois, tu dis bonjour Tina, comment tu vas? Ah, la maman de Daichi, tu vas bien? Elle dit oui, je vais bien. Je ne l'ai jamais vu sur la... Je vais commencer à insulter. C'est pas ça. Arrêtez un peu. Famille impalable. Arrêtez. Arrêtez. Vous allez faire quand le pire va arriver, c'est vous qui allez prendre sa photo pour afficher partout, comme aujourd'hui on voit photo d'Arafat. Quand Arafat avait besoin de vos photos, de partager son conseil ici-là, qui a partagé aujourd'hui? De toute façon, on est plus de 100 millions de personnes à partager aujourd'hui sa photo pour dire Daichi, Daichi, Daichi là. Si on était même 10 000 personnes à partager l'affiche de son conseil, à prendre un ticket de son conseil. On attend toujours arrive pour montrer notre amour aux gens. Quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Fichez la paix à Tina. Tout le monde est devenu une maman adorable. Celui qui se lève, il fait vidéo, il insulte. Celui qui se lève, mais attends, t'es chez toi?
On dit, non, comme Arafat est star là, nous tous, on peut se. Même si elle et puis son fils étaient en guerre, c'est son sang qui a coulé sur le lit de l'hôpital pour lui. Elle pouvait l'avorter, elle l'a gardé. C'est ce comportement-là. Vous avez encouragé, vous les avez encouragés les deux à être en guerre. C'est avec ce comportement-là. Vous les avez encouragés à être en guerre. Non, Rafa, tu as raison. Ta maman n'est pas bien. Cours là-bas. Tina, tu as raison. Ce n'est pas ton fils qui va gérer ta vie. En les mettant en guerre, là, vous voyez les retombées aujourd'hui. Vous voyez la fin aujourd'hui. Mais dans la mort de son fils, vous êtes sur la pauvre femme. Qu'elle se bat pour l'argent. Quand son fils est mort, là, quand tout va finir, vous rentrez chez vous. Vous avez vie chez vous. Aujourd'hui, là, qui va aider Tina? Qui va la prendre en charge? Ce spectacle ne marche pas parce que personne ne l'invite. Vous direz à cause de son caractère, ok, on a compris. Elle se nourrit comme chez vous, qu'elle va venir taper, je vais manger. Qu'elle va venir taper la porte, vous dire, c'est vous demain qui allez dire, voilà la maman d'Arafat. Hein? Qui l'aide? Qui paye ses factures? Qui paye la maison où elle dort dedans? Moi, mon fils, on fait réconciliation. Tina était chez elle à la maison comme ça. Quand son fils a sonné à sa porte. Et puis il est rentré chez sa maman. Eh Dieu, je ne peux pas vous décrire sa joie. Tina tremblait comme ça pour faire à manger. Là, son fils a acheté un joli portable. Un portable de grande qualité. Je ne sais pas si c'était BlackBerry à son tombe ou quoi. Son fils a appelé. Elle tremblait comme ça. Bibi. Bibi, mon fils. Hey, mon fils est venu chez moi. Oh. Mon fils dit, maman, je veux manger. Oh. Maman, il faut préparer pour moi. Oh. Brigitte, c'est tout ce que mon fils est couché sur mon lit. Il est couché sur mon lit actuellement. Il est en train de faire cuisine pour lui. Hey, mon enfant, Dieu merci. Oh. Je vais aller voir la Vierge Marie. Oh. Je vais aller voir telle église. Oh. Hey, mon enfant est revenu. Oh. Hey, mon bébé. Oh. Hey, mon bébé. Oh. Mon... Hey, est-ce que vous avez vécu ça? Vous avez vécu ça? Après, elle reste dans glamour. Après, elle a ses préférences. Après, les mêmes personnes vont dire, Tina, voilà ce que ton fils dit de toi. Les gens sont tellement mauvais, ils prennent Tina comme ça à la maison. De bière. Ils l'emmènent dans maquis. Ils la saoulent, ils la laissent dans le bois de nuit là-bas. Et puis, ils appellent son fils pour dire, voilà ce que ta maman est en train de faire. Et c'est par ça que les gens se servent pour détruire Arafat. On passe parce que sa maman a bu, les gens le sutent. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec moi et puis mon fils. Mon fils n'est pas une légende. Imaginez un peu la maman d'une légende. Imaginez un peu la maman d'une légende. Eh, hey, Apoutou en train de faire direct, oh. Apoutou en train d'insulter, oh. Eh, hey, vous vous dites, telle personne t'a insulté, oh. Ils sont là pour prendre les vidéos où les gens m'insultent pour me balancer. Il y a quoi, je m'en fous. J'en ai marre. Ne m'envoyez plus de vidéos, on est en train de m'insulter. Lui qui veut, il n'a qu'à prendre mon nier, il va me suivre sa tête. Je m'en fous. Je m'en fous. Arrêtez de détruire les gens. Arrêtez de diviser des familles. Quand on aime une personne, c'est pas comme ça on fait. 100 000 envoyés messages. Maman, ton fils. Maman, ton fils. Après, les mêmes personnes courent là-bas. Hé, hey, ta maman même. Hé, hey, ta maman aussi. Pour mettre les enfants en palabre. C'est comme ça que vous dites que vous aimez les gens. C'est comme ça que vous aimez vos artistes. Mais donnez conseil à vos parents qui sont à la maison. Vos conseils à vos parents. Vous pensez que c'est facile de gérer un enfant comme Arafat? C'est votre camarade. Arrêtez à la fin. Vous avez fini par tuer Didier. Laissez sa pauvre maman tranquille. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'en ai plus que marre. Arrêtez un peu. La femme est affligée. Ce qu'elle vous montre là, on appelle ça l'apparence. Si vous ne savez pas là, ce que vous voyez sur Tina, c'est l'apparence. Vous la voyez rire, vous la voyez s'amuser, vous la voyez contente. Vous avez déjà vu Tina Glamour.
Ou bien c'est quand Arafat est mort là qu'elle, elle a commencé à se maquiller. Vous l'avez déjà vu Tina Glamour sans son crayon? Dites-moi si vous l'avez déjà vu sans son crayon. Même quand elle dort, elle a son crayon sur elle. Arrêtez un peu. Tina, c'est une star aussi. Tina, c'est une star. C'est parce qu'on est ici, là, en Côte d'Ivoire, personne. Les gens veulent que tu changes, tu marches selon eux, leurs envies. Pourtant, eux marchent comme ils veulent. Pourquoi vous voulez que Tina change pour être comme vous? Pourquoi? Non, elle n'est pas une maman sage. Non, non, toi, tu es sage, là. Tu donnes conseil à tes enfants à la maison. Foutez-lui la paix. Va éduquer tes enfants. Priez Dieu d'avoir de bons enfants. Priez Dieu pour avoir des enfants qui vous soutiennent, qui vous comprennent. Vous allez finir par tuer la pauvre femme et puis on va rester là dans le regret. C'est quoi? C'est quoi à la fin? Elle n'aime pas ses enfants. Vous qui aimez les enfants, là, prenez les enfants. Vous qui aimez ses enfants, là, prenez. Si c'est pour faire vidéo, pour insulter là, vos stars que vous aimez, vous avez 10 dollars que vous avez pu payer pour lui. Là. C'est de là, vous avez payé, il a eu 10 dollars. Vous n'êtes pas pour gueuler seulement, pour raconter des balivernes, pour mettre le peuple en palabre. Vous savez parler, mais vous ne savez pas agir. Parlez. Vous ne savez pas agir.